On est dans Tzadik Tet Shebamot, juste à la première ligne là-haut. Hein? Tanoura Banan, va nous enseigner. Yesh Choletz Leimo, il y a des cas de figure qu'on va voir, Misafek, qu'un homme va devoir faire Khalitsa à sa mère. Léachoto, Misafek, à sa sœur, Misafek. Lébito, Misafek, il va devoir faire Khalitsa à sa fille, Misafek. Khalitsa à sa fille, comme s'il aurait dû faire Iboum avec sa fille. Et Misafek, il va devoir lui faire Khalitsa. Hein? Donc la Gemara va entrer dans chaque cas de figure maintenant comme ça. Ketsa, comment il y a le cas? Imo, Veisha Acheret, donc il y a sa mère et une autre femme, Pelaem Shnei Zecharim, et qui ont chacun un enfant, à part lui, bien entendu, d'accord, qui a chacun un enfant qui sont Bourim, c'est-à-dire on sait l'enfant à qui il appartient, l'enfant de son frère, son frère, comme Yachol, et l'autre, hein, on va attendre une seconde, presque. Les lambeaux, ils sont dans une méhara après, d'accord, les Zacharim. Vechazrou, Vialdouch, Zacharim. Ils ont mis, ils ont eu deux autres garçons, ces deux personnes, donc sa mère et cette femme-là ont eu encore deux autres garçons. Bemachvo, en cachette, ça veut dire dans une grotte. Uba Bena Shelzo, Benasaimo, le fils de l'autre, donc de la deuxième femme, s'est marié avec sa mère. Benasaimo Shelze, Bena Shelzo. Benasaimo Shelze, j'ai perdu la phrase, j'ai mal lu. Uba Bena Shelze, Benasaimo Shelze. Uba Bena Shelze, Benasaimo Shelze. Donc ça veut dire que les deux enfants là, les deux enfants qui sont normaux, qu'on les reconnaît, on sait qui ils sont, qui sont leur mère, s'est marié avec l'autre femme. Donc si je prends l'exemple d'Avarishon, qu'on prend l'exemple suivant, d'accord? Et donc, on a ici deux mères, on va prendre Rachel et Léa, deux personnes. Il y a déjà avec Jacob, c'était son mari, maintenant il est mort, il a eu un enfant qu'on va l'appeler Réhouven. Et elle, avec Lévi, elle a eu un enfant qu'on va l'appeler Shimon. Ça, c'est des enfants Brourim, on sait qui sont ces enfants-là. Maintenant, ces mêmes femmes-là ont eu deux autres enfants, d'accord? Misafek. Donc, on a mis des enfants à point d'interrogation. On ne sait pas à qui ils appartiennent. Ils ont été mélangés, ces enfants. Chacun à qui ça revient, ils ont été mélangés, ces deux enfants-là. Maintenant, Shimon, il s'est marié avec Rachel, et Reuven s'est marié avec Léa. C'est là? Marié avec Léa. Maintenant, Reuven est mort, Shimon est mort, sans enfant bien entendu. Il faut faire Iboum ou Khalitsa. Qui est-ce qui doit faire Iboum ou Khalitsa? Les frères. Mais qui est le frère de qui? Peut-être lui c'est le frère de celui-là et donc il doit faire Khalitsa à celle-là. Ou peut-être celui-là, c'est peut-être son fils, donc il ne peut pas lui faire Khalitsa. Et peut-être lui c'est le fils, le frère de celui-là. Il doit lui faire Khalitsa. Et donc, il va faire Khalitsa et à cela, mais peut-être c'est sa mère, Rachel, puisqu'on ne sait pas ces deux enfants à qui ils appartiennent. C'est ça qu'il nous dit ici, la Gemara. Dans un cas pareil, donc, Nasaï ou Metu, ils sont morts, Belobanim. Donc, les deux enfants, dont on ne sait pas qui est leur mère, il fera une Khalitsa aux deux personnes, donc à sa mère et à l'autre, mais Zecholet et l'autre, il fera une Khalitsa. Ces deux enfants-là feront Khalitsa aux deux femmes en question, plus qu'à cause de ce safek-là. C'est-à-dire, ça, c'est le premier cas de figure. C'est clair? Deuxième cas de figure. Shai, si tu veux, si tu as des questions, tu me demandes. Hein? Deuxième cas de figure, on ne te gêne pas, surtout. Misafek. Maintenant, Léachoto, Misafek, Ketsad. Dans le Khalitsa, je vais faire un Khalitsa à sa sœur. Misafek, comment est le cas? Ketsad. Imo, Veisha, Acheret, Shialdush, Tene, Kevot, Bemachbo. Au lieu que ça soit maintenant des garçons, c'est automatiquement deux filles qui naissent ici. Et que bien entendu, il y a toujours un enfant quelque part. Hein? Alors, il y a ici Rachel, qui est la mère de Shimon, qui était. Qui est la mère de Shimon. Non, c'est une Oui, non, 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 ça c'est là. Shimon et Yaakov. D'abord, ils ont un enfant. C'est notre enfant qui nous intéresse là.
D'accord. Eux, ces deux-là, elle était mariée avec Lévi. On va mettre comme ça, Lévi ici. Et on va mettre Rachel, Léa. On va mettre Léa ici. Léa et Lévi, ils étaient mariés. D'accord. Et Lévi aussi est marié, il s'est marié aussi avec Rivka. Il s'est marié aussi avec Rivka. Et après qu'il s'est marié avec Rivka, ils ont eu, il y a eu deux enfants qui sont nés, deux filles qui sont nées. Donc on ne sait pas, celle-là, est-ce qu'elle appartient à celle-là, ou elle appartient à celle-là. Celle-là, est-ce qu'elle appartient à celle-là, ou elle appartient à celle-là. Celle-là. Maintenant, Shimon, il a deux autres frères. Il a Yehuda et Issachar. Issachar, Yehuda s'est marié avec celle-là, et Issachar s'est marié avec celle-là. Jusqu'à maintenant, il n'y a pas de problème. C'est bien. Maintenant, ces enfants-là sont mariés avec celle-là. Maintenant, ces deux-là, ils sont morts. Il va faire Yiboum ou Khalitsa à ces femmes-là, ces deux enfants-là. Il va leur faire Yiboum et Khalitsa. Mechila, ce n'est pas du même père. Hein. C'est un demi-frère. C'est un demi-frère. C'est-à-dire qu'ils sont frères du côté de la mère. Non, c'est pas possible. Il faut que ça frère du côté du père. C'est lui avec une autre femme, il a eu ça. Il a eu ça avec Sarah. Avec Sarah, il a eu Issachar et Yehuda. Hein? Et après, Yaakov avec Rachel, il a eu Shimon. Après, il est mort Yaakov. Rachel s'est mariée avec Lévi et était mariée avec Léa. Deux enfants sont, deux filles sont nées. Et on ne sait pas chaque fille à qui il appartient. Les demi-frères de Shimon, du côté de son père, se sont mariés avec ces deux filles-là. Maintenant, les deux, ils meurent. Comme ce sont des demi-frères du côté du père, Shimon doit faire Khalitsa ou Yiboum. Mais il doit faire Khalitsa ou Yiboum à celle-là ou à celle-là. Parce que une, c'est peut-être sa sœur, et une, ce n'est pas sa sœur. C'est bien ? Une, c'est peut-être sa sœur, donc on ne peut pas faire Khalitsa à sa sœur, parce qu'elle lui est interdite en tant que sa sœur du côté de sa mère. Et l'autre, effectivement, on doit lui faire Khalitsa parce que c'est la femme de son demi-frère. Mais comme on ne sait pas, quand on dit, tu fais Khalitsa, il fera Khalitsa à sa sœur. Donc, Khalitsa à sa sœur, je reprends dans le cas de la Gemara, le cas suivant. Qu'est-ce que ça. Pardon ? Hein ? Une bête, c'est sa sœur par sa mère, parce qu'ils ont la même mère. Lévi, c'est marié avec Rachel. Hein ? Bah oui, on doit faire Khalitsa aux deux, parce que comme il ne sait pas lequel des deux, c'est sa sœur. Une des deux, c'est sa sœur. Pas les deux, c'est sa sœur. Les deux, oui. Mais comme il ne sait pas c'est laquelle, donc il va devoir faire Khalitsa, hein, aux deux, mais ça fait. C'est ça que ça nous parle ici. Donc, je reprends ici la phrase. Ketsad, la choto, mais ça fait Ketsad. Imo, veisha acheret, shialdu shten ekevot, qui ont eu deux filles, mais marbo, d'un même père, d'un même mari, ou bao achareem, shelo, miota em, venesaum, et les deux autres frères, shelo, miota em, pas de la même mère que Shimon, Nessaoum se sont mariés avec ceux-là, d'accord ? Ils ne sont pas de la même mère que de Shimon, se sont mariés avec ces deux-là, avec ces deux filles-là. Mais Nessaoum, ou Meitou, ils sont morts, Belobanim, Cholet, Lishnehem. Donc il est obligé de faire Khalitsa Shimon à ces deux femmes, à deux femmes-là, parce qu'une de deux, c'est sa sœur du côté de sa mère. Benimtsa, Cholet, Lachoto, Misafek. Et donc on est dans un cas qu'effectivement, je fais Khalitsa Misafek à sa sœur. Khalitsa aux deux, mais donc l'une des deux, c'est sa sœur. Troisième cas, Lébito Misafek, Ketsa. Faire Khalitsa à ta fille, Misafek, comment c'est possible? Ishto, Vishha Acheret, Shialdou Shten Ekevo de Machbo. Sa femme et la femme d'une autre personne qui ont eu deux filles dans une grotte et on ne sait pas chaque fille à qui elle appartient parce que tout s'est fait en cachette contre l'ennemi, il n'y avait pas de lumière, donc on ne sait pas qui a mis au monde qui. Il n'y avait pas aussi la possibilité de faire des bdikot d'ADN. Et les frères de chacune de ses sœurs se sont mariés avec les filles en question. D'accord ? Ils se sont mariés, les frères suivants, ils se sont mariés, c'est-à-dire comme ça. On va prendre maintenant le cas suivant. On va faire l'image comme ça. D'accord ? Donc on a ici Rivka et Sarah. On va mettre Lévi ici, d'accord, qui est marié avec les deux, et que de ces deux-là sont sorties deux filles.
deux filles dont on ne sait pas à qui elles appartiennent. Cette Rivka auparavant était mariée avec Abraham. Il y a eu un enfant qui s'appelait Rouven. C'est bien? Et cet Abraham était marié une fois avec Léa. Et il avait eu deux enfants, Shimon et Lévi. Maintenant, Shimon. C'est ça. Shimon et Lévi. Non, ça, c'est la photo. Je ne fais pas une erreur. Non. Ça, c'est le cadre de la photo. Je suis en train de faire. Je ne suis pas dans le bon exemple. Là, je reviens au cas précédent. En vérité, je suis en train de redessiner le cas, justement le cas d'avant qu'on avait. Ce n'est pas ça qui nous intéresse. Ce n'est pas tout à fait ça. Et là, il faut que ça soit. Et lui, ça doit être la femme de celui-là. Non, pardon? Là, c'est sa mère. C'est pour ça que c'est différent. Là, c'est faux ce que j'ai fait comme dessin ici. Je suis parti dans un dessin qui n'était pas correct. On reprend donc. C'est-à-dire? Donc, Abraham, c'est sa femme. Donc, il ne peut pas être marié avec Lévi. C'est-à-dire? Abraham, avec sa femme, elle a eu un enfant. C'est-à-dire? Et Sarah, qui a aussi une fille. C'est deux filles qui sont nées. Sarah est mariée. Hein? Elle est mariée avec Lévi. Lévi, elle est mariée avec une autre personne. Et elle a eu un enfant. Et Rivka, avec lui, il a eu un enfant. Deux filles ici. Maintenant, lui, Abraham, il a, pas avec Léa, il a deux frères. Deux frères. Normalement, les touches ne marchent plus, d'accord? Il a un frère Lévi et un frère Shimon. Ces deux frères-là, ils peuvent se marier avec sa nièce. Un oncle peut se marier avec sa nièce. Donc, un, il s'est marié avec celle-là, et un, il s'est marié avec celle-là. C'est ça? Maintenant, et ce sont ces deux frères du même père. Ce sont les deux frères du même père. Après, c'est toujours du même père. Celui-là, il meurt, et celui-là, il meurt. Bon, prochaine, qui marche mieux. Les deux, Shimon et Lévi, meurent. Maintenant, Abraham. Excusez-moi, avec l'écran, il y a un reflet, on ne voit pas ce que j'ai écrit. Oh, ben, donc, j'écris pour rien, quoi. Non, il dit que c'est reflet, on ne voit pas. Il dit que ça ne va pas à cause de l'écran. C'est bien fait de nous avertir, hein. Regarde, c'est beau. Moi, je travaille là pour rien. Les deux, ils sont morts. Maintenant, les deux, ils sont morts. Lui, il doit faire, Abraham, il doit faire Khalitsa. Il doit faire Khalitsa ou Yiboum à son frère. D'accord? Il y en a un des deux, c'est sa fille. Mais on ne sait pas lequel c'est sa fille. Puisqu'on a dit que sa femme a accouché dans la grotte. Si sa femme a accouché dans la grotte, et on ne sait pas qui est sa fille, qui est la fille, qui est la fille de l'autre. Maintenant, ses deux frères à lui se sont mariés avec une des deux. Ils peuvent se marier avec une étrangère, il n'y a pas de problème. Et avec la deuxième, c'est marié avec sa nièce. Marié avec sa nièce, il peut. Maintenant, quand les deux ils meurent, l'une d'affaire, maintenant, il boum, ou à l'une des deux. Mais il ne sait pas à laquelle. D'accord? Et les enfants de celle-là aussi, il doit faire les enfants. S'il avait d'autres frères. Bon, non, il n'y avait pas de frères. On enlève les autres frères. Il n'y en a pas d'autres frères qui nous intéressent ici pour l'instant. En tout cas, il doit faire Yiboum ici, pour Khalitsa, une des deux. Et pour faire Yiboum Khalitsa, il ne peut pas faire parce que peut-être c'est sa fille. Donc, qu'est-ce qu'il lui reste à faire? Que Khalitsa aux deux. D'accord? Et c'est un petit peu ce que la Gemara veut dire là maintenant ici. Donc, Lebito misafe ketsad, ishto beisha achere, shialdu shtene kevot, deux filles bemarbo. Donc, une des deux filles, c'est sa fille à lui. Ubaou acheem venesaou. Et ses frères, là c'est au pluriel, mais là on va expliquer, première explication, qu'il y a un frère, acheem, que ses frères, que son frère, ses frères à lui du mari, se sont mariés avec ces deux filles-là. Donc, venesaou, ou metou belobanim, et ils sont morts sans enfants. Zecholes lebito misafe. Donc, je dois faire Khalitsa aux deux femmes mi safek. Maintenant, pourquoi il y a marqué Zecholet Lebito? Parce qu'il y a une autre explication, un autre Gersan Orashi, qui dit que pas uniquement moi j'avais deux frères, et là, Reuven il avait un frère, et de l'autre côté aussi, de la deuxième femme, il y avait aussi un autre frère. Et c'est pour ça que chacun des deux frères, comme ils ne savent pas qui est leur sœur, ils doivent faire Khalitsa aux deux personnes en même temps. Donc, on peut faire ce dessin-là comme s'il y a deux frères. On peut faire le dessin comme s'il y a deux frères pour cet Abraham-là. Et on peut recopier, au lieu d'avoir deux frères, avoir un frère de ce côté et un autre demi-frère de ce côté. Et un s'est marié avec une sœur, l'autre s'est marié avec l'autre fille, et les deux, ils sont morts.
il doit faire de ce côté-là Yiboum Khalitsa Indel, de ce côté-là il doit faire Yiboum Khalitsa Indel, et comme ils ne savent pas qui est la fille et qui n'est pas la fille, donc les deux feront Khalitsa aux deux personnes en question. Même un frère, ça aurait été pareil. Même un frère, ça aurait été pareil. Mais maintenant, mais un frère, on aurait pu faire mieux. Un frère, on aurait pu faire. Alors lui, il fera. Mais si un frère, oui. Ouais, un frère, ça aurait été la même chose. Il n'a rien à faire. Double, quoi. Un frère, ça aurait fait la même chose parce que, étant donné que l'une des deux, c'est sa fille. Donc ça fait que dans tous les cas, l'une des deux, c'est sa fille. Alors il n'a rien à mettre. Ça aurait été à peu près le même problème là-dessus à ce niveau-là. C'est pour ça que. Il n'a rien à mettre. C'est pour pas. Parce que pour dire qu'il s'est marié avec deux. La fille du cousin de Dorian. Jusqu'à là, les premiers cas de figure qu'on a. Attends, la Gemara va entrer dans une autre Mishnah. Tania. Il y a Rabbi Meir Omer, Ish ve Isha, un homme et une femme, Peamim Shemolim Chamesh Umot. Des fois, peuvent mettre au monde, c'est-à-dire peut amener cinq cas de figure, Chamesh Umot, cinq cas de Yichus différents. Comment ça? Alors, Chamesh Umot, qu'est-ce que ça? Israël, c'est la carte Eved de Shifra. Un Israël qui a acheté un Eved, qui a pris un Eved d'une Shifra, d'un Goy. Donc, un Eved d'une Shifra qui appartenait à un Goy, il les a pris. Minashuk, Velaem Shnebanim. Et ils ont deux enfants. Maintenant, comme ils n'ont pas acheté les enfants, alors les enfants continuent à être Goyim. Eved de Shifra, je les achète. Maintenant, leurs enfants, je ne les ai pas achetés. Donc, ils continuent à être Goyim. Ils étaient au moment. Ils étaient au moment de l'achat. D'accord ? Au moment de l'achat, ils existaient, mais ils sont venus avec, mais je ne les ai pas achetés. Ils ne sont pas dans l'achat. L'achat, c'était de Kavirchol, Eves et Shifra. Ils sont suivis les parents. Si j'ai acheté les parents, non. Il n'y a pas de kinyan sur les enfants automatiquement que si tu achètes spécifiquement les enfants aussi. D'accord ? Ve, Nidgayer et Khanmem. Et un de ces deux enfants-là s'est converti. Nimtsa, il en sort. Un, c'est un converti, donc un juif à part entière maintenant. Et un des enfants, il est Ovet Kochavim. Il bilam les Shem Avdout. Si maintenant, ce Eved et Shifra, je les ai trempés, je les ai mis au Mikvé, pour les Shem Avdout, pour que ce soit mes Avadim. Parce qu'encore acheter, ce n'est pas le transformer comme des juifs. Il faut encore leur faire Mikvé. Il leur a fait Mikvé, les Shem Avdout. Non, parce qu'à ce moment-là, ils sont mitraïvés de mitzvot, comme une femme. Tant que tu n'as pas trempé les Shem Avdout, ils ne sont pas mechouyavim d'admé kayem Torah mitzvot comme une femme. Pas Shabbat Benin, non? Shabbat Benin, mais pas les mitzvot, pas tous les mitzvot d'une femme. Un Eved qui a été trempé, il a les mêmes obligations qu'une femme. Il doit manger kasher, il ne doit pas être mechalel Shabbat, et ainsi de suite. Et mitzvot assez, il ne les a pas. C'est tout. Il n'y a pas de brit mila. Si, on fait une brit mila quand même. On leur fait faire une brit mila. En tout cas, il bila le Shem Avdout, le Eved et la Shifra, ils ont trompé le Shem Avdout, et ils ont eu Kavirchol un enfant. À Rezekan, nous sommes maintenant trois cas de figure, trois enfants, trois types de familles. Guerre, le premier des enfants qui était pendant que tu étais goy, mais qui s'est converti, qui est juif. Obed Kochavim, celui qui est resté goy. Et le Eved en question, qui vient de naître là maintenant. Parce que quand les parents, ils se sont mis au mikvé, l'enfant qui va naître, c'est un Eved automatiquement. Il a donc une nouvelle catégorie d'enfants. Shichrer et Ashifra, il a libéré la Shifra. Dès qu'il a libéré la Shifra, elle devient juif automatiquement. Ou Ba Aléa, il s'est marié avec elle. Ha'eved, le Eved, donc son ex-mari, entre guillemets, a eu un rapport avec elle. A Rekan, il en sort ici. Guerre, on a toujours le premier qui est un guerre. Le deuxième, c'est Obed Kochavim. Le troisième, c'est un Eved. Et le quatrième, il est Mamzer. Parce qu'il va d'après la DA, ici, Rabbi Meir, comme Rabbi Yochanan, qu'un Eved qui vient sur une Bat Israël, enfin, il est Mamzer. À la Chalemase, ce n'est pas le cas. Mais un Eved qui vient sur une Bat Israël, puisque la Shifra a été libérée, elle est considérée comme une Bat Israël maintenant, l'enfant, il est Mamzer. Shichrer Shnem, il a libéré maintenant la femme, qui était déjà libérée en vérité, et il a libéré aussi le mari, le Eved. Il a libéré les deux. Shichrer Shnem, maintenant, et le Eved, le mari et la femme. Donc, Shichrer Shnem, Vesiam Zelazé, il les a mariés entre eux. Rekan, qu'est-ce que j'ai maintenant? Guerre, Oved Kochavim, Eved, les trois, quatre figures qu'on avait avant. Mamzer, parce que le mari, pendant qu'il était Eved, il a eu un rapport avec la Shifra, il a eu un Mamzer. Mais maintenant que l'Eved a été libéré, et Israël, l'enfant qu'il a maintenant, c'est un Israël. Donc on a ici cinq cas de familles différentes, de Yirkous différents, dans le même type de père. Le Eved et la Shifra
c'est eux les parents, mais ils ont cinq types d'enfants différents. Ils ont un guerre, celui qui s'est converti en premier. Ils ont un Eved Koravim qui n'a pas voulu se convertir. Ils ont un Eved qu'ils ont eu pendant qu'ils ont été achetés comme Eved, après qu'ils ont été trempés au Mikvé. Ils ont un Mamzer parce que le Eved est parti après que la Chifra a été libérée. Ils ont un Israël Kacher après que le mari, lui aussi, il a été libéré. Vous dites qu'il n'a pas voulu se convertir, mais d'un autre côté, il peut dire qu'il ne veut pas être libéré non plus. Non, les deux enfants. Non, mais quand elle dit Chifra, peut-être elle ne veut pas être Mishofer. Alors, on ne lui pose pas la question. Donc là. Ce n'est pas un Eved Knani, ce n'est pas un Eved Ivri qu'on lui laisse encore ce Koyovel et tout ça. On parle d'un Eved Knani ici. Il n'y a pas le choix. Dès qu'on lui dit quelque chose. Non, on libère, c'est fini. On donne un guet Chichou, il devient juif là automatiquement. Et s'il ne veut pas faire le KM, c'est Baya. Mais il est. C'est Baya, mais Kabichou, il devient juif automatiquement. C'est pour ça qu'il y a, une certaine manière, il y a un lab de ne pas libérer des avadim. Pas libérer des avadim knanim. Avadim goyim ou la machoacher, knanim. Pas les libérer. Agmara demande, dans tous ces exemples-là, Mike Amashmala, qu'est-ce que tu veux m'enseigner dans tout ça? Pourquoi tu m'as ramené toute cette histoire-là de Rabbi Meir? On met Obed Kochavim ve'eved Abba al-Bat Israël, Avlan Mamzer. Je voulais justement t'enseigner ici deux dinim, qu'un goy ou un Eved qui vient sur une Bat Israël, l'enfant il est Mamzer. Comme ça, il pense Rabbi Meir que l'enfant il est Mamzer. C'est ce enseignement-là qu'il a voulu essentiellement nous enseigner. Tanou Rabbanan. Alors maintenant, encore un autre cas ici, cas de figure comme ça un peu particulier. Yesh Mocher et Aviv, il y a un cas de figure où un homme il va vendre son père, les Gabot imoktuba, pour pouvoir payer la Ktuba à sa mère. Il vend son père pour payer la Ktuba à sa mère. Cas particulier. Comment on peut vendre son père pour vendre la Ktuba à sa mère? Ketzad. Israël a car rêvé des chifras. Le même cas, quelqu'un il a pris un esclave, une chifra, Milashouk. Mais là, Mben, eux, ils ont un enfant. Et donc, cet enfant-là, pour l'instant, il ne s'appelle pas Eved, puisque j'ai dit que lorsque tu achètes, si tu ne l'as pas acheté aussi l'enfant, l'enfant n'est pas Eved pour autant. Shechrer et Ashifra. Qu'est-ce qui se passe automatiquement dès que je la libère? Elle devient juif. Nessa'a, il s'est marié avec elle, Ima. Vekatavla, et pour qu'elle accepte de se marier avec lui, il lui a écrit Kol Nechassav Libna. Tous mes biens reviennent à ton fils. Quel fils? L'autre, là. Je dis qu'il n'était pas juif. Nimtsa, maintenant, il est mort. Il est mort, divorcé, machtarotse. Elle va recevoir la Ktuba. Et tous les biens. Hein? Le fils. Non. Il dit que tout appartient au fils. Mais elle, quand le mari meurt, elle va recevoir la Ktuba, sa mère. La femme doit recevoir la Ktuba. Ouais. Maintenant, elle essaie de recevoir la Ktuba. Elle reçoit des biens du mari. Mm-hmm. Mais le mari, tous les biens, il a donné à son fils. Donc, pour pouvoir payer la Ktuba à sa mère, qu'est-ce qu'il est obligé de faire, le fils? Il est obligé de vendre son esclave, le Eved, qui est son père. Il est obligé de le vendre pour pouvoir payer la Ktuba à sa mère, en considérant que c'est le seul bien qu'il a, d'accord? Si le seul bien qu'il a, qu'il a laissé en héritage, il a laissé en héritage, c'est ce Eved-là, le seul moyen de pouvoir payer la Ktuba à sa mère, c'est de vendre son père. On voit le cas de figure, c'est bon? D'accord? Donc, Nimtsa, Zemocher et Aviv, puisque tous les biens lui reviennent, il doit payer la Ktuba maintenant à sa mère. Et les biens qu'il a reçus, c'est son père, comme esclave, il a reçu. Donc, pour pouvoir payer la Ktuba, Tariq, Nimtsa, Zemocher et Aviv, les Gabot, les Moktuba, pour lui payer la Ktuba. Maintenant, Maïka Mashmalan, qu'est-ce que vous allez apprendre? Kula Rabbi Meiri. Si on nous apprend ça, que tout ça va d'après Rabbi Meir, et qu'il pense, Ve'avda, ou Metaltele, Mishtabede. Quand ce qu'on a Eved, et qu'on a un métal tel, et qu'on a des biens, les biens sont meshubadim la Ktuba, parce qu'il y a une machloquette. Est-ce qu'on peut être meshabed et des biens à la Ktuba, ou on est meshabed rien qu'un karka, rien qu'un bien immobilier à la Ktuba? Et là, Rabbi Meir, il pense que même un Eved, il est considéré comme des biens, et on peut être meshabed des biens pour la Ktuba. Il y en a qui veulent dire qu'un machmalan de Avda qui est mekarka et damé, il dit non, qu'un Eved, c'est égal à un karka. Comme c'est égal à un karka, je peux payer la Ktuba avec un Eved. C'est un moyen de rembourser la Ktuba, c'est la payer de cette manière-là aussi. Jusqu'à là, la première sougia. Maintenant, on va rentrer dans un autre cas de sougia, comme ça, un peu particulier aussi. On aura peut-être besoin encore aussi de tableau, malheureusement. Heureusement, comme on veut, hein, ça dépend. C'est un tableau. Aïcha, c'est Itarveva Vlad, Bivlad Kalata. Une femme dont son fils, il s'est mélangé avec le fils de sa belle-fille. Kalata, sa belle-fille. Donc, son fils marié avec Léa,
a un enfant et elle, elle a un enfant et on ne sait plus l'enfant de qui il appartient à qui. Est-ce que cet enfant, c'est mon fils ou c'est le fils de ma belle-fille? Ça donne? Donc, Vlada ou Vlad Kalata. Ve Igdilu. Et ta robot, ces mélanges-là ont grandi. Et ces enfants-là ont grandi. Ve Nasunashim. Ils sont mariés avec des femmes. Nasunashim, Beshatova. Ou Metu, ils sont morts. Et maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire Iboum ou Khalitsa. Alors, Bene Akala, les enfants de la Kala, Kholtsim, Velom Yabemi, devront faire automatiquement Khalitsa et pas Yiboum. Pourquoi? Shu Shafek, Eshet, Achiv, Beshafek, Eshet, Achéavi. Les tarovot qu'on a ici sont des tarovot que, ou peut-être, c'est Bémet, le frère du Niftar, c'est la femme du frère du Niftar. Celui, l'un des deux qui est mort, c'est le frère de, pas l'un des deux qui est mort, celui qui est vivant, celui qui est mort là, je m'explique mal, je reprends le cas, ça va un peu mieux rentrer, comme ça. En faisant un dessin, on va mieux exprimer les choses. C'est que, on a ici une Chama, une Chama, on va l'appeler Chama, d'accord, et une Kala. Ils ont eu chacun des enfants, des banim, des enfants, mais on ne sait pas lequel c'est, hein, qui appartient à qui. C'est bien? Maintenant, il y a la Kala, elle a aussi d'autres enfants. On va dire, elle a aussi un autre Lévi. Et la Chama, elle a aussi d'autres enfants. Et la Shimon. Maintenant, ces enfants-là se sont mariés avec deux femmes. Léa et Rachel. C'est bien? Et après, ils sont morts sans avoir d'enfants. Maintenant, il faut faire un hibou ou faire Khalitsa. Maintenant, pour lui, pour lui, que je ne fasse pas d'erreur, d'accord? Shimon, ah non, pour lui, d'abord, pour se le. On ne sait pas si Shimon, c'est le frère de Léa. Ah, ou voilà, oui, mais ça veut dire que l'un des deux, c'est l'oncle. C'est la femme de l'oncle. Parce que là, c'est la Kala. La Kala, ça veut dire qu'il y a ici, elle a un fils, un Ben. Et donc, cet enfant-là, c'est peut-être l'oncle de Lévi. On est bien d'accord? Puisque si c'est cet enfant-là, c'est le fils de la belle-mère, le fils de celle-là, qui est donc le frère de celui-là. Si c'est le frère de celui-là, donc c'est l'oncle de celui-là. On est bien d'accord? Si c'est l'oncle, l'oncle, il a droit de faire yéboum à sa nièce. Il peut se marier avec sa nièce. Mais le neveu ne peut pas faire yéboum à l'oncle, à la femme de l'oncle. Parce que maintenant, ça, si c'est son oncle, il est mort. Celle-là, c'est la femme de l'oncle. Pour lui, c'est la femme de l'oncle. Si c'est la femme de l'oncle, il ne peut pas faire celui-là yéboum. D'accord? Par contre, celui-là, Shimon, lui, il peut faire ou Yiboum ou Khalitsa, à l'une des deux. Parce que ou c'est sa nièce, ou c'est sa belle-sœur. Parce que si c'est le fils de sa mère, donc c'est ça, c'est son frère. C'est son frère, donc c'est sa belle-sœur. Lui, il peut faire Yiboum ou Khalitsa à sa belle-sœur. Et si c'est Bemikre, c'est le fils de la Kala, c'est le fils de la Kala, donc ça veut dire c'est son neveu. La femme de son neveu, comme il peut faire yiboum avec, on peut se marier avec la nièce, on peut se marier avec la femme de son neveu. Donc, Achi Arve, Shimon, lui, peut faire ou yiboum ou Khalitsa. Par contre, Lévi ne peut faire, ni, il ne peut pas faire yiboum, faire que Khalitsa aux deux femmes en question. Parce qu'une des deux, c'est la femme de son oncle, potentiellement la femme de son oncle. Vous voyez d'accord? C'est clair? Très bien. C'est ça qu'il nous dit ici, là, maintenant. Nasu Nashim, ou Metu, Bene Akala, ils sont morts. Bene Akala, les enfants de la Kala, Kholtim, Lomitiabemim. Ils font Khalitsa et pas Yéboum. Pourquoi? Shu Safek Eshet Achi, parce que peut-être c'est la femme de son frère et il devrait faire Yéboum ou Khalitsa. Safek Eshet Aché Aviv, que peut-être c'est la femme de l'oncle. Et si c'est la femme de l'oncle, alors là-dessus, Bevadaï, qui ne peut pas faire ni Yéboum ni Khalitsa. Il ne peut pas faire Yéboum, il ne peut pas avoir de rapport avec elle. Par conséquent, il ne fait que Khalitsa. Bene Azekena, les enfants de la Chama, donc de la mère en question, ou Kholtsim ou Mitiabemim. Il peut faire ou Khalitsa ou Yiboum. Pourquoi? C'est Safek Eshet Achib,
que peut-être l'un des deux, c'est la femme de son frère, donc tu peux faire Yiboum. Et la deuxième, Eshet ben Achiv, c'est peut-être la femme du neveu, ben Achiv. Et la femme du neveu, il n'y a aucun problème de se marier ou de faire Khalitsa. C'est pour ça que la femme, donc Shimon, la femme de la Zekena, elle, il peut faire Khalitsa ou Yiboum. Est-ce que là, c'est bon? On continue. Metu Aksherim. Maintenant, ceux qui sont morts, ce n'est pas ceux-là. Ce n'est pas les Sfekot, les Mouravim qui sont morts. C'est les deux-là qui sont morts. D'accord? C'est les Ksherim qui sont morts. Metu Aksherim. Vatarovot, Metu Aksherim. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est Tarovot d'affaires ou Yiboum ou Khalitsa. Parce que c'est ou des frères. D'accord? Donc, Benelib, Neaskena, Khotim, Lomiyabimim. Les enfants de la Skena, les enfants de la Sise, celui-là, il peut faire ou Khalitsa. Ou il peut faire que Khalitsa, il a peur de faire Yiboum. Pourquoi il a peur de faire Yiboum? Parce que peut-être qu'il aura affaire ici à... Badagma va le dire, je crois qu'il aura affaire ici. On va voir. Chez Oussafek, Eshet Achiv, Veshet Aché Aviv. Que peut-être c'est la femme de son père. Et peut-être c'est la femme de son oncle. Par contre, les Bnei Akala, ceux qui sont ici à un deuxième niveau, d'accord? Cet enfant-là qui est à un deuxième niveau, les Bnei Akala... Echad cholet vechad miyabem. Un il fait chalitza, ou il fait echad cholet vechad miyabem. Ou tu fais d'abord pour un, tu fais chalitza, et pour l'autre tu fais iboum. D'abord tu fais chalitza à l'un, et après tu fais iboum à l'autre. Pas tu fais iboum avant chalitza. Un tu fais chalitza, tu fais iboum. Pourquoi? Parce que par rapport à celui-là maintenant, par rapport à celui-là, qu'est-ce qu'on a ici? On a ou que c'est ton frère, et donc tu peux lui faire iboum, d'accord? Ou que c'est le deux qui est mort. Ou c'est ton frère, d'accord? Ou que c'est la femme. Ou c'est ton frère. Une seconde. Donc, si on réfléchit bien en vérité par rapport à ça, puisque si c'est le fils de la Chama, le fils de la Chama, lui, c'est le petit-fils. Si c'est le petit-fils, donc lui, ça devient l'oncle. Lui, si il devient l'oncle, l'oncle, il pourra faire, yiboum, enfin, il pourra se marier avec la femme de son neveu. C'est pour cela qu'il dit que les enfants de la Kala, si c'est les Ksherim qui sont morts, alors à ce moment-là, les enfants de la Zekena ne peuvent faire que Khalitsa, mais si c'est et les enfants de la belle-fille, eux, ils peuvent faire ou Choletz. Il fait un, il fait Khalitsa, il la libère, et l'autre, il fait Yiboum. Comme ça, que s'il est tombé sur le frère, il l'a libéré, et automatiquement, l'autre, elle lui est permise. S'il est tombé sur le neveu, la femme du neveu, et qu'il lui a fait Khalitsa, ça ne pose aucun problème de lui faire Khalitsa, tu peux faire ça qui tu veux. Donc, de toute manière, elle était libre. Et toi, tu as fait Yiboum, Bassof, à la femme de ton frère. Après, la Gemara dit, « Kohenet initar veva » Belada Bevlat Shifra. Maintenant, on a un autre problème, un Kohen qui a un enfant qui s'est mélangé avec l'enfant d'une Shifra. Une Shifra qui appartient à Kohen, hein? C'est sa Shifra à elle. Shifrata, pas sa Shifra à elle. Maintenant, c'est-à-dire que les deux enfants, on ne sait pas qui est Kohen, qui est Eved. Are Elu Ochlim Bitrouma. Ils peuvent manger de la Trouma, les deux enfants, parce que même à Eved, ils mangent de la Trouma, par l'intermédiaire de son père, du patron. Vecholkim, Chelek Echad Vagoren, et ils prennent une seule part dans le partage. Quand on prend la tromote au masrot bagoren, ils prennent une seule part. Veina metamim la metim, mais ils n'ont pas le droit, les deux, de s'impurifier aux morts. Pourquoi ils n'ont pas le droit de s'impurifier aux morts? Parce que Kanire, que l'un de deux, il est Kohen. Veen nosim nashim ben ksherot ben psulot. Ils ne peuvent pas se marier ni avec des femmes ksherot, ni avec des femmes psulot. Pas des femmes ksherot, parce que peut-être c'est un Eved, et pas des femmes psulot, parce que peut-être c'est un Kohen. Donc ils sont un petit peu bloqués. Jusqu'à quand? Igdilou. Atarovot, ces deux mélanges-là, ils ont grandi. Veshikheru Zedze, ils se sont libérés mutuellement. Donc, le Eved, il est Meshukhar, et l'autre, il reste un Kohen normal. Nosim, Nashim, Ruyot, la Keuna. Cette fois-ci, ils ne pourront se marier qu'avec des femmes qui sont permises à la Keuna. Pourquoi? Parce qu'un des deux est un Kohen. Donc, comme un des deux est un Kohen, mais ça fait qu'il ne peut se marier qu'avec des femmes qui sont Kisharot, la Keuna. Ve'en, Metamim, la Metim, ils prennent la Chumra, ne pas s'impurifier à des morts, parce que peut-être l'un des deux est un Kohen. Mais si ils ont transgressé et qu'ils ont été nitma, ils ne reçoivent pas les 400, les 40 coups. Pourquoi? Parce que peut-être l'un des deux, il dit, moi j'étais un Eved, moi j'étais pas un Kohen.
Donc, on ne peut pas les punir sur ça. Mais il ne peut pas manger de la trouma. Parce que peut-être l'un des deux est un évêque libéré. Parce que tant qu'il était évêque, il pouvait manger grâce à l'intermédiaire de son patron. Maintenant qu'il a été libéré, c'est fini. Peut-être c'est un évêque méchoura. Il n'a plus le droit de manger de la trouma. Et s'ils ont mangé de la trouma, ils ne payeront pas Keren Vechomesh. Un Israël qui mange de la trouma d'un Kohen, il lui rembourse le prix de la trouma, puis il lui rajoute 20%. Là, ils ne seront pas obligés de rembourser 20% parce que chacun peut dire c'est peut-être moi le Kohen. Et donc, j'ai le droit de manger de la trouma. Mais ça fait qu'on ne leur prend pas 20% parce que Moussé Mechavor à la Veraya et les preuves pour l'instant sont de leur côté à eux. Mais ils ne vont pas se recevoir dans le Goren, dans la grange, une part de trouma là-bas. Ou Mochim et ta trouma, et s'ils ont de la trouma eux, Mochim et la trouma, ils peuvent vendre la trouma qu'ils ont. Enfin, ils ont des champs. Ces champs-là, il faut prendre la trouma de ces champs-là parce que peut-être l'un des deux, c'est un évêque. Mais quand ils prennent la trouma, ils ne peuvent pas la manger parce que peut-être l'un des deux, c'est un évêque. Par contre, ils ont le droit de vendre cette trouma vers Adamim, chez la haine, mais avec l'argent, ils en font ce qu'ils veulent. Il n'y a pas de Gdoucha sur cet argent-là qu'ils ont quand ils ont vendu la trouma. Ve'enam cholkim bekotcha amigdash, ils ne reçoivent pas sur tous les matanot qui ont mis à Migdash, comme par exemple les pots. Quand chaque sacrifice qu'on fait, les pots reviennent au Kohen Keshochet. D'accord? Ça, ils ne reçoivent pas de kotcha amigdash. Ve'enotim lem kodeshim, on ne leur donne pas aussi des kodeshim, le zroa, les chayaim, les keva. Ils ne reçoivent pas comme des kohanim. Ve'en motim lahem miedem, mais si maintenant eux ils amènent un korban, la peau leur revient à eux parce qu'un kohen habituel qui n'est pas dans sa période de travail au Beit HaMikdash, mais il vient amener un korban au Beit HaMikdash, il a le droit de tout faire en son nom et de prendre automatiquement la peau de la bête pour lui, parce qu'habituellement tous les animaux quand on les égorgeait, la peau revenait au shochet, revenait au kohanim. Là, si c'est un kohen qui amène, ça lui revient à lui. Il vient quand même. Si c'est pas un Mishmeret, il vient, il travaille lui-même, il a le droit de travailler lui-même et il prend tout pour lui. Ça veut dire comme si c'était lui qui travaillait. Parce que Béfourach, il prend tout pour lui. Maintenant, ces deux-là, s'ils amènent un korban, comme ça fait que peut-être l'un des deux est Cohen, alors à ce moment-là, on leur laisse les pots pour eux. C'est-à-dire, ils prennent tous ceux qu'ils ont bien de prendre, ils peuvent les prendre comme s'ils étaient eux des Kohanim. Oui, non, mais tu n'as pas le droit. Ça veut dire qu'il peut amener un korban. Mais quand il a amené le korban, qu'est-ce que tu fais maintenant? Tu leur prends la peau, tu leur prends les chaim zoro avec Eva, tu ne leur prends pas? Tu ne leur prends pas, mais ça fait que tu ne leur prends pas, c'est tout. Ils ont le droit d'amener un korban. Alors, ben motim shelahem yedem, ptourim min azroa ou min al chayim, ils ne sont pas tours de donner les droits le chayim qu'on donne habituellement au Kohen, ils ne sont pas tours de donner, ou min akeva aussi. Ou bechoro yeroe atseistaev. Et s'il a un bechor, le bechor, il faut donner au Kohen et le Kohen qu'il mange. Maintenant, lui, c'est peut-être un Kohen. Et comme lui, c'est peut-être un Kohen, il n'y a pas un dit de bechor dans son troupeau à lui. Comme l'un des deux, c'est un safek, c'est pour ça que s'ils ont un troupeau, ce troupeau-là, s'il y a un bechor, on le laisse paître jusqu'à qu'il a un défaut. Et à ce moment-là, il prend l'argent et il en fait ce qu'il veut. Venotnim alav chomre kohanim vechomre israel. Conclusion. Sur cette personne-là, sur ces deux-là, dans les chumras des deux, chumras d'un Kohen, chumras d'un Israël, et dans ces chumras-là, ils gagnent. Il y a des choses, qui perdent et des choses qui gagnent. Comme on vient de voir là maintenant, il y a des choses comme le Bechor, ils gagnent, et il y a des choses, ils perdent la trauma, ils perdent. Donc, il y a certaines choses qu'on gagne, certaines choses qu'on perd. Dans la Gemara, elle commence. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? Mets-toi Ksherim. Si les Ksherim, ceux qu'on sait qui est leur mère, sont morts, alors on dit que les Tarovot, les Bnei Askena, ainsi de suite. La Gemara veut comprendre. Et la haner mishum dirvou les havou les psoulim. Si tu dis metou aksherim, ça veut dire que ceux qui sont mélangés, tu les considères comme des psoulim. Quand est-ce qu'on considère un pasoul? Un pasoul, c'est qu'on ne sait pas qui est son père. Un pasoul, c'est quand il y a un goy qui a eu un rapport avec lui. Un pasoul, c'est quand un évêque qui a eu un goy avec cette femme-là. Mais là, on sait très bien que leurs mères ont eu des maris ksherim. Rien qu'on ne sait pas qui et appartient à qui. Alors pourquoi tu les appelles psoulim? Amara papa. Metu havadaim. Effectivement, rectifie la Mishnah, ne dit pas metu aksherim, dit metu havadaim. Ceux qu'on est sûr qui est leur mère. Ça, ils sont morts. Et les autres sont aussi ksherim, sont pas psoulim, sont aussi ksherim. Après, on a dit l'ibne akala, si c'est les enfants de la kala, echad choletz, vechad meyabem. Un, il fait chalitza, et là, après, tu fais iboum à l'autre. Et dafka, mais à la condition, michlatz vadar iboumé, que d'abord tu fais chalitza, et après tu fais iboum. Mais aval iboumé, berecha lo. Et commencer par Yiboum, non. Pourquoi? Des cas pagabe va mal chaud. Parce que c'est fort possible que si tu fais d'abord Yiboum, tu tombes sur une Yébama la chaud. C'est-à-dire que tu tombes sur celle
qui aurait dû faire Yéboum, pas avec toi, que pas toi de faire le Yéboum, puisqu'on a, on ne sait pas lequel des deux il doit faire. Alors, on avait dit que le Bnei Azekena, ils font Khalitsa aux deux, et le Bnei Akala, ils font d'abord Khalitsa et après Yéboum. Ça veut dire que le Bnei Akala, il y a une des deux qui peut faire Yéboum, mais s'il va d'abord faire Yéboum et après ils vont faire Khalitsa, c'est possible que maintenant, le Yéboum qu'il a pris, ce n'est pas la femme qui lui est réservée, mais c'est la femme qui est réservée à l'autre, au Bnei Azekena. Et si c'est la femme qui est réservée au Bnei Azekena et qu'ils n'ont pas fait Khalitsa, ils sont tombés sur une Yébama Lachou. Ils ont eu un rapport avec une Yébama qui n'a pas été libérée. C'est pour ça que d'abord, il faut faire Khalitsa et après Yéboum. Après la Gemara, on vient Kohen Kohen chez Nitaret. Un Kohen, Kohenet, qui s'est mélangé son fils avec la fille d'un Shifra. Alors, on a dit Khelek Echad, ils prennent une part. La Gemara dit Pshita. C'est pas chute, ma chidouche. C'est normal, puisque tu ne sais pas. De toute manière, la chifra, elle mange à travers la patronne. Donc, c'est pas vrai qu'on prend un chélek echad. Alors, Emma, chélek ke echad. Une part comme une seule personne. C'est-à-dire, nan, kemande amar, comme qui ça va ça? Kemande amar, en cholkim trouma la eved. On ne partage pas de la trouma à eved, on ne donne pas. Quand on partage la trouma, ça veut dire qu'un eved, il vient chez un Israël, à la grange. Et donne-moi de la trouma au nom de mon père, au nom de mon patron. On ne lui donne pas la trouma. Et là, imken rabo imo, que si son patron, son maître est avec lui. Mais un évêque qui vient réclamer de la trouma, on ne lui donne pas que si son maître est avec lui. Détania, comme c'est marqué. En cholkim trouma la évêque. Et là, imken rabo imo. Vivre Rabbi Yehuda. Si ce n'est, ça va que d'après Rabbi Yehuda. Et Rabbi aussi, Omer. Yachol. Par contre, Rabbi aussi dit non, tu peux donner la trouma à un évêque. Pourquoi? Chez Yoma. Parce que le Vel, il peut dire, Im Kohenani, cet enfant-là, il peut, enfin, ce cas de la figure-là qu'on parle, que la Shifra et le Kohenet, les enfants se sont mélangés. Oui, mais qui appartient à un Kohen. Il devient Kohen quand il est en plus, on l'a converti, on a dit qu'on l'est converti comme une femme. On le convertit, mais il devient Kohen. Il n'est pas Kohen, mais il a pas mangé la Trouma parce que le Kohen peut donner toute sa famille de la Trouma. Tous ses biens, il peut leur donner, même à ses animaux, il peut leur donner manger la Trouma. Il n'est pas libéré. Avant qu'il soit libéré, avant chez Shekherou Zéhézé, avant on avait dit qu'on prend un Khelek Echad. Mm-hmm. Au départ, on avait dit les deux enfants se sont mélangés, ils n'ont pas été libérés, d'accord? Ils prennent Khelek Echad. Mais c'est quoi Khelek Echad? Alors, Ke'echad, comme une seule personne. C'est-à-dire, pourquoi comme une seule personne? Parce qu'on va d'après le mandat qui dit qu'on ne donne pas de la Trouma à Eved tout seul, que si son patron est avec lui. Par contre, Rabbi aussi il dit, on peut donner la Trouma à cet enfant-là tout seul aussi, contrairement à ce qu'il y a marqué dans la Mishnah. Pourquoi on peut lui donner? Parce qu'est-ce qu'il peut dire? Il peut dire comme ça, il peut dire la phrase qu'on a. Im evet kohen ani tenoli bishvil rabbi. Si je suis le evet d'un kohen, donnez-moi le nom de mon maître. Ve im evet bim kom rabbi. Et si je suis un kohen mamash, c'est sorti une phrase. Im kohen ani, si je suis un kohen, donc je suis la femme du kohen, la fille du kohen, tenoli, donnez-moi, bishvil atmi par moi-même. Im evet kohen ani, et si je suis le evet d'un kohen, tenoli bishvil rabbi, au nom de mon maître. C'est-à-dire que pour Rabbi aussi, il n'y a aucun problème de donner un évêque quand il est tout seul de la Trouma. Alors, et quelle est la machloquette entre Rabbi Yehuda et Rabbi aussi? Bim komo shel Rabbi Yehuda, parce que dans la ville de Rabbi Yehuda, hayum alim mitrouma la yochassin. Quand on voyait quelqu'un qui venait prendre la Trouma, on le considérait comme un Kohen Kacher. Malim mitrouma la yochassin. Le fait qu'on voit qu'on lui donne une part de Trouma devant tout le monde, c'est qu'on lui donne une Toudat Kashrut, que c'est un Kohen Kacher le Kol Davar. Par conséquent, si je vais donner la Trouma à Eved, qu'est-ce que les gens vont penser? Que c'est un Kohen Kacher. Alors que ce n'est pas vrai, il prend au nom de son maître. C'est pour ça qu'il faut que son maître soit avec lui, dans la ville de Rabbi Yehuda. Par contre, chez le Rabbi aussi, comme moi chez le Rabbi aussi, dans la ville de Rabbi aussi, lo ayum alim mitrouma la yochassin. Si quelqu'un est venu recevoir la Trouma, ce n'est pas une preuve que c'est un quelqu'un de Kacher. Et donc, comme ce n'est pas une preuve que c'est un quelqu'un de Kacher, ce n'est pas le problème de donner à Eved. Parce que de toute manière, on ne va jamais se baser sur ça pour définir que c'est quelqu'un de Kacher. Tania, il y a une bretta qui dit, Amar Rabbi Elazar Bar Tzadok, et Rabbi Elazar va nous raconter une histoire. Miyamai lo he'adeti, je n'ai jamais témoigné, et là, il doute à une seule témoignage que j'ai fait sur quelqu'un, ve'elu eved keuna alpi, ils allaient le. Ve'elu, ils ont transformé un eved comme keuna en mon nom. C'est-à-dire, elu, tu veux dire quoi, ils ont bémet, été basés sur son témoignage, et ils ont pris un eved, ils l'ont considéré comme un Kohen. Ashta, si déjà, bem tan shel tzadik, yemena kajmokom evitakala, Al Yadan, si déjà des animaux d'un tzaddik, à que je beaucoup fais attention, qu'il ne fasse pas de gezel, qu'il n'y a pas de takala sur ça, un tzaddikim atzmav, qu'un tzaddik lui-même, il vient, il témoigne, c'est possible qu'il va sortir une takala de cela. L'okol sheken, non, Ela Ema, bikshula alot evet, ils ont eu l'intention
de transformer un Eved, de le considérer comme kasher la Keuna, Alpi, Chaza, Alpi, Alpi, par sa bouche. Pourquoi? Parce que Chaza Beatré de Rabbi Yossi. Parce qu'il était une fois dans la ville de Rabbi Yossi et il a vu qu'on a donné un Eved de la Trouma, Veazal, et il est parti, Veased Beatré de Rabbi Yuda. Et il est venu témoigner dans la ville de Rabbi Yuda qu'il a vu que ce Eved-là, il a reçu de la Trouma. Et en témoignant dans Rabbi Yuda, dans la ville de Rabbi Yuda, et que dans la ville de Rabbi Yuda, si on témoigne que quelqu'un il a mangé de la Trouma, on est malé la Yochassin. C'est pour ça que par erreur, on allait presque être malé autour de la Yochassin. Ils sont aperçus au dernier moment. Mais Chas v'Shalom, il n'y a pas eu d'erreur dans Rabbi Tzadok. Ce qu'il a vu, il a vu la vérité. Mais c'était dans la ville de Rabbi aussi. Donc l'Onirchal. Bon, sauf l'Onirchal, Val, qui m'a dit à Satakara Mitachat Yadou. Maintenant, Tanou Rabbanan. Asara en cholkim la mtrouma. Il y a 10 personnes qu'on ne donne pas de la trouma. Le bête à gros notes dans les granges. Velouhe, chere, chote, vekatan. C'est trois cas qu'on les connaît. Tum tum, quelqu'un qu'on ne connaît pas son sexe parce que le sexe il est caché. Androgynos, androgyne, il a les deux sexes. Eved, un esclave, comme on vient de dire la méthode après Rabbi Yehuda. Aïcha, à une femme. Haarel, un non circoncis. Hatame, quelqu'un qui est tamé. Nose, isha, shena, organetlo. Un Kohen qui s'est marié avec une divorcée. Donc, on ne lui donne pas de trauma. On lui interdit de prendre la trauma. Ici, parce qu'on parle de trauma, c'est pour ça. D'accord ? En vérité, tu peux avoir aussi un Israël qui s'est marié avec un mamzer. C'est la même chose. Mais Israël n'est pas censé recevoir de la trauma. C'est pour ça qu'il n'y a pas trop de problèmes à ce moment-là. Mais Koulam, Meshagrim, Lam, Lebetem. Mais tous ces cas de figure, on peut leur envoyer à la maison. On ne leur distribue pas dans le Goren, dans la grange, mais on peut leur envoyer à la maison leur part qui mérite de recevoir de la trauma. Chutz, à l'exception, mitamé, quelqu'un qui est tamé parce qu'il n'a pas encore mangé la trouma, venose isha sheno ganetlo, quelqu'un qui s'est marié avec une femme qui ne mérite pas d'être mariée avec lui, midin knas. La Gemara dit, bishlama chereshote vekatan, pourquoi on ne leur donne pas dans la grange, l'avne de aninu, parce que ce ne sont pas des personnes qui savent ce qu'ils font, et nous dit Rashi, ziluta li trouma, ce n'est pas kavod à la trouma de donner à quelqu'un qui ne peut pas faire attention à la trouma. Chereshote vekatan. Ben, c'est les parents, c'est les parents qui s'en occupent. Donc, je vais dire, mais Choubat, Tum Tum va Androgynos, pourquoi on ne leur donne pas Nami? Parce que Bria, Bifinatsma, ce sont des créatures à part, des créatures hybrides comme ça. Et donc, c'est Ziluta et Dirachi, Ziluta des Kodashim. Tu es mésalzé un peu sur les Kodashim si tu leur donnes. Eved Nami, on ne lui donne pas, pourquoi dater la Souké Mitroumala Yochassin? Parce qu'on va peut-être l'élever et le considérer à ce moment-là comme quelqu'un de cachère. Arel vetame, un arel vetame, on ne leur donne pas Mishum de maïs, parce que c'est dégoûtant, il est maous. Le fait qu'il est arel, le fait qu'il est tamé, il est retranché, c'est l'omatim de leur donner la trouma. Non, c'est Isha, Shena, Organet, l'autre qui est marié avec une femme qui ne mérite pas, qui doit prendre la chemin avec elle, Mishum Knasa, parce que normalement, on le connaît soto. Et là, Isha, Maïtam. Mais une femme, pourquoi on ne lui donne pas la possibilité de la trouma quand elle vient réclamer dans la grange, on ne lui donne pas. Maïtam, alors. Pligé par Rafapa et Ravuna. Sur la raison, il y a le machloket de Rafapa et Ravuna. Béré de Rabbi Yoshua. Chad amar indi mishum grusha. À cause que peut-être elle est divorcée. C'est quoi qu'elle est divorcée? Avant, elle appartenait avec un Kohen. Elle vivait avec un Kohen. Donc, c'est normal qu'elle pouvait recevoir. Mais maintenant, elle est divorcée. Mais c'est une bat Israël. D'accord? Et comme c'est une bat Israël, c'est-à-dire qu'elle n'est pas Kohenette à la base. Et en plus, elle n'a pas eu d'enfant de ce Kohen-là. Elle va continuer à prendre, comme ils ont l'habitude de lui donner avant. Ils vont continuer à lui donner, alors que maintenant elle est divorcée, et maintenant elle ne mérite pas de manger de la trouma, parce qu'elle n'est plus mariée au Kohen. Il dit parce que ce n'est pas correct de donner avec une femme dans la grange, il y a un problème de yichoud qui peut se passer à ce moment-là. Maï benayou, quelle est la différence si je dis mishum grusha ou mishum yichoud? Et quand benayou, bedare de mekarva le mata. On parle ici d'une grange qui est proche de la ville. Velo shriche beu inche. Et qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui se trouve là-bas, près de cette grange-là. Alors, qu'est-ce qui se passe? Comme elle est proche de la ville, alors tout le monde sait si elle est divorcée ou pas divorcée. Donc, il n'y a plus le khashash maintenant qu'on va donner à une divorcée qui n'a plus le mérite de manger de la trouma. Mais par contre, comme il n'y a pas beaucoup de monde, il y a un khashash de yichoud qui peut se passer. Inami, un autre cas de figure, Demerchak, la grange, elle est plus loin de la ville, mais Shriche Bainche, qui a beaucoup de monde, et Kulam et Shagrim Lahem, attends, comme ça, c'est la suite. Il y a beaucoup de monde. Maintenant, du fait qu'il y a les grouchas, ça, les gens ne peuvent pas savoir parce que la grange, elle est loin de la ville. Mais comme il y a beaucoup de monde, il n'y a pas un problème de yéhou. Hein? Après, Kula Meshagrim, c'est pour demain.